Cher Capricorne, bienvenue dans cette vidéo de vie sentimentale. Et c'est donc pour le mois de décembre et avec le tout début de l'année 2022. C'est pour les personnes de votre signe qui sont célibataires, c'est-à-dire séparées, divorcées, ou tout simplement parce que vous avez quelqu'un à laquelle, auquel vous pensez de manière très intense et récurrente. Et puis, ça peut être aussi un lien particulier que vous entretenez avec un membre de votre famille ou de votre cercle amical. Voilà pour ce petit détail. On commence avec la carte de la force qui correspond à votre carte d'ambiance sur ce mois de décembre qui va nous dire que vous avez de la fidélité par rapport au lien que vous avez avec les autres, l'autre personne, donc soit la personne à laquelle vous rêvez, soit un lien avec un membre de votre famille, comme j'ai dit, ou un ami. Il y a donc de la fidélité, comme j'ai dit, la ténacité, de la passion. En tout cas, c'est toujours dans l'intensité des sentiments, des émotions qui sont vécues. Et ça peut être aussi le fait d'intégrer un groupe, de se rapprocher d'un groupe, comme la famille ou d'un groupe d'amis. Donc, il y a toutes ces émotions qui sont là, qui sont intenses. On y va avec le jeu. Je présente donc les points de chaque carte, hein, très rapidement, surtout pour les personnes qui arrivent pour la première fois, qui ne connaissent pas. Donc, on a le point présent. Ici, l'obstacle. Ici, l'évolution de la situation. Sur la deuxième ligne, il y a aussi un point présent, puisque il vient en conséquence du point passé qui est là. Et ensuite, l'évolution de la situation. Donc, c'est le futur aussi. Sur le premier point, on a donc la guérie. La guérie qui nous dit que vous avez une très grande détermination à faire bouger les choses en votre faveur, que vous avez peut-être même de la passion, en tout cas une intense émotion, une intense volonté et détermination à vraiment faire bouger les choses en votre faveur, peut-être donc vis-à-vis de l'élu de votre cœur. Et en tout cas, c'est pour trouver le bonheur que vous estimez mérité, voilà le mot que je cherchais. Et en tout cas, lui donner à ce bonheur votre propre définition. Sur le point de l'obstacle, on a la carte des frères. Alors là, donc c'est un point d'obstacle plus. Le fait que la carte en question soit renversée, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de préoccupant pour vous, quelque chose d'essentiel, je veux dire. Préoccupant, ce n'est pas dans le sens de gravité, c'est plutôt dans le sens où vous êtes vraiment concentré là-dessus, sur ce qui vous pose problème. C'est comme si c'était un challenge pour vous. Comme on a parlé tout à l'heure de vouloir redéfinir ce que c'est pour vous le bonheur, ça peut être vécu sous cette forme comme un challenge personnel. Il y a une recherche de vérité et ce côté de vouloir gagner en sagesse en même temps par l'aspect de partage, de communication. Mais c'est sous la forme d'obstacles et donc il faut développer tout ça. Il faut avoir peut-être plus d'authenticité dans ce que vous ou de d'authenticité, oui, par rapport à ce que vous voulez montrer, par rapport à sortir peut-être d'un côté où vous n'osez pas montrer vraiment les choses de vous-même, de votre personnalité.
Sur le point suivant, donc l'évolution de la situation, on a la carte temporelle du présent qui indique que les récoltes, les fruits de vos efforts que vous avez faits par le passé ont du mal à émerger, à mûrir. À, vous avez du mal à les faire mûrir. Vos engagements, je pense, sont freinés, voilà, sont freinés. Et je pense que vous avez tendance à perdre patience, à les voir fleurir, à les voir mûrir, à les voir éclore, et parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de transformer les choses, c'est très clair. Vous voulez réussir maintenant, vous n'avez pas envie d'attendre X temps pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, on va passer sur les autres cartes et puis de toute façon, on va éclaircir avec le jeu qui est là. Donc ici, sur le point, alors je vais venir d'abord sur le point du passé où on a donc la carte Friga qui parle, par contre, là, on a... En parlant du passé, d'une période de chance, d'abondance, d'une période de très, très porteuse de chance, de très bonnes énergies, de créativité de votre part et de la part des personnes avec qui vous êtes rentrés en contact. En tout cas, on parle vraiment du fait que vous avez réussi à profiter de cette période pleinement. La conséquence, c'est que, bah écoutez, c'est marqué, c'est le bonheur. Donc on parle de bonheur et d'intensité, comme on l'a vu avec la carte juste au-dessus. D'intensité des émotions. Là, on voit clairement que vous êtes, vous vivez, je dirais, avec tout ce que vous pouvez. Qui est à vos côtés et avec les gens avec qui vous partagez, que ce soit le quotidien, que ce soit l'exceptionnel, vous partagez de toute façon. Et c'est votre volonté. Et certaines fois, c'est des événements, des circonstances qui viennent vraiment de votre initiative. Vous avez l'ambition de montrer et de peut-être de démontrer, mais surtout de montrer que vous savez mettre en place ce genre d'événements pour donner du plaisir aux autres et prendre du plaisir aussi dans le partage, dans ces émotions extrêmement positives que vous mettez en place, qui vous entourent. Sur donc la dernière carte, on a la carte la Volva. Donc je vous la montre à l'endroit par contre, mais elle est sortie à l'envers. Comme l'autre qui est juste au-dessus, qui parlait du futur aussi. Hein. Donc en fait, là, vous êtes invité avec la Volva, vous êtes invité avec cette carte donc à reprendre contact avec vos racines, vos valeurs, vos. Alors quand je parle de vos racines, ça peut être géographiquement la nécessité de retrouver une terre, un lieu, un endroit que vous affectionnez particulièrement et qui vous porte chance et qui vous apporte beaucoup au niveau richesse, peut-être matérielle, mais surtout richesse intérieure. Donc il me vient à l'esprit aussi je parlais de richesse, dans les échanges, dans les partages, dans les contacts. Donc ça peut être tout juste des contacts familiaux ou amicaux, puisqu'on est dans les racines. Et on parle aussi d'insertion à un groupe,
Donc, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être aussi le fait de partager un temps de très plaisant, très, très agréable, peut-être une fête, mais une fête qui représente un aspect traditionnel, donc par des fiançailles, par un mariage. Et c'est pour vous l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Et puisque la période des fêtes arrive, ça peut être justement durant cette période que ça vous apporte extrêmement de richesse dans ces partages. Alors, on va mettre une autre carte, enfin d'autres cartes, pas une seule. Je prends donc deux cartes que je mets là. Oui. Voilà. Donc on a la carte du chariot ici qui complète la carte temporelle présent. Et aussi on a la carte de l'empereur qui complète la carte de la Volva. Alors, déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, d'ambition, de volonté à vouloir et à parvenir à transformer les choses, à aller jusqu'au bout de ce que vous avez programmé, planifié au niveau relationnel. On voit qu'il y a des liens et des liens, oui, qui se renforcent, qui sont déjà très forts, mais qui se renforcent, qui se confirment. Alors, il peut y avoir une certaine difficulté vis-à-vis de certaines relations parce que il y a un petit peu trop d'autorité, un petit peu trop d'ambition, à vouloir approfondir les choses et peut-être qu'il y a donc un peu de maladresse dans la manière de faire, la manière de s'exprimer, d'exprimer le désir en question. Voilà. En tout cas, on voit que vous êtes totalement déterminé dans ce sens-là. J'ai parlé de passion avec cette carte-là, c'est exprimé à différents niveaux ici et c'est même confirmé donc avec les cartes que je viens de mettre ici en place. Alors il faut faire justement quand même attention à votre ambition, votre volonté, à ce que les choses s'arrangent selon votre vision. Et parce que je parlais de maladresse tout à l'heure, même si c'est inconscient, ça peut bousculer les gens et les gêner. Voilà, très cher Capricorne, et je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je vous conseille également d'aller voir ce qui concerne votre signe ascendant, votre signe de Vénus et aussi votre signe lunaire pour acquérir plus d'informations sur votre situation. Voilà, pour ma part, je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir, cher Capricorne.